Salut à toutes et à tous, c'est Algérie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle. Vol. MSLP tout MHTG, oui, on va aller du coup à l'aéroport de Tocantin, c'est l'aéroport les plus longs du monde, les amis. Ouais, j'espère que cette vidéo vous plaira. Quand vous voyez la fin du spawn, j'ai allumé le GPU et tout ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Juste avant, j'ai fait juste un vol vite fait. C'est pour ça que j'ai un peu l'instrument de venir tout ça. Sinon, à la base, il y a tout été éteint. Alors, ça sera un vol pas très long. Hein, de 30, 40 minutes, il me semble. Pas long, quoi. Voilà. Bref, bon, je vais aller sur un peu la tablette. Et. Simplement, j'ai vérifié que tout est sorti. Oui, c'est bon. Donc, je vais un peu régler tout ce qui est fuel pump et tout ça. Je vais prendre exactement. 8000, ça ira. Non, 800. Mais ouais, 8000, ça ira. C'est bon. Du coup, le temps que l'expérience soit remplie, nous on va se préparer des RFMC. Hop. Donc, du coup, les RFMC sont actuellement à MSLP. Du coup, dans la gate 9. On va y aller dans la gate. Et du coup, comme vous voyez, du coup, on est dans la gate 9. Bon. J'ai fait justement un vol juste avant, il est dans la gate 10. Alors, on retourne dans l'FMC pour approach pro, le programmer OpenS, MSLP. Hop. Destination MHTJ. On va décoller dans la piste 07 et comme le flight now, bon, je sais pas trop, alors je connais pas trop le vol, mais alors je vais mettre trop MSLP tout MHTG. On va décoller de la piste 07. Et, voilà, c'est la piste qui est juste là-bas. Oui, donc en vrai, ça va, c'est assez chill. En vrai, ouais. Du coup. Hop, départ, et on va prendre le point Muta 3H et poursuivre avec Mutal. Je vais activer le fond de vol. Hop, ensuite on va continuer avec le waypoint. Si je ne peux pas attendre, FIFA A. 754 et du coup j'ai déjà reprogrammé l'arrivée parce que le plan de vol est assez rapide comme j'ai dit. Déjà runway 02 et on va prendre le point Vitan 1. Ouais, c'est ça. Oui, c'est hop, route. Exé route. Ah, c'est un départ. Hein. Bon. Hop, à 754. Tower 1, 5, 3, 7, 8, 3, 6. Exé. On va voir du coup où est niveau d'essence. En vrai, ça va. Du coup, le plan de vol est fini. On va préparer, terminer de préparer l'FMC. Ah, bon. FMC, autre chose. Déjà, Costa Next.
3 et ground flight deck fuel is all loaded up and you are good to réserve. Go. Ah, bon, ça marche pas non plus. Ah oui, c'est vrai, c'était 15, mais je suis un peu con. D'ailleurs, c'est vrai, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo parce que comme je suis un peu occupé en ce moment. Et du coup, bah, je m'excuse pour faire des vidéos. Bref. Du coup, on aura un peu de clim de 15 degrés. Et flaps comme d'hab. 1, 5, 3, 7, 8, 3, runway 7, you're clear to land. Runway 7, 1, 5, 3, 7, 8, 3. 2% de flaps, 85. Ah bon, ça va, c'est ok. Le slab de trim, en fait, ça va, y a pas beaucoup. 85. Et au passage, si je fais une partie de cette vidéo, c'est pour réaliser un défi d'un abonné. Je ferai bientôt aussi le vol retour. Espérons que ça vous plaira. Tout simplement. Vitesse de V1 135, VS 140 et VQ 150. En vrai, je pense que ça fera le taf, l'argent. Ouais, donc du coup, je vais programmer automatique certains mots, sachant que ce que j'ai là c'est un add-on, c'est comme le PMDG, parce que le Zibo c'est comme le PMDG de FSX, parce qu'en fait Zibo c'est le 1637 mais complet, c'est un freeware, mais ça vaut pas un payware, hein. Pour le payware je pense plus au level up, enfin, pour ceux qui connaissent, hein, le level up 1637. Mais le développeur ne vaut pas le coup que le Zibo, en fait. C'est la même chose, en fait. C'est les mêmes avions que le Zibo. Windshear. Donc je vais tester. Terrain. Je vais essayer de tuer une autre chose. Quelques alarmes. En vrai, la scène, elle est un peu stylée. 1, 5, 3, 7, 8, 3. 1, 5, 3, 7, 8, 3. J'essaie de décoller l'appareil au maximum. Du coup, on va en mettre 35 aussi, et à la fin, je pense que je vais mettre 25 passagers. SJX Vision 1, Charlie, Victor, 7, line up and wait. Même l'aéroport le plus content, les amis, c'est un des aéroports dangereux en l'air, j'espère y arriver, et ça veut dire quoi. Un truc qui est sûr, c'est peut-être que j'ai arrêté pas du premier coup. Du coup, on est à 15 minutes, ce serait un peu compliqué. Contact ground on. 1, 2, 1, 7, 0, 1, 5, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7
ferme du coup la porte. Donc ça j'y trouve pas, c'est ok, ok. J'allume l'APU, switch. Je vais essayer de désengager le GPU. Je vais le temps. Je vais programmer mon repoussage. Il faudra prendre mon repoussage. Voilà. Ground copy. Tau is driving up. Non, ça va. C'est super cool donc. Non, j'ai programmé. En vrai ça va, X-Wing c'est un beau simulateur. Hein. Bon. Non, c'est pas fait. Ah voilà. Du coup, je passe sur la PU et je peux désactiver le GPU. Quoi, en fait, si vous voulez savoir, le GPU c'est la même fonction que la PU. C'est juste que dans certains aéroports, on est obligé d'utiliser le GPU parce que la PU consommerait plus de carburant, quoi. Enfin, consomme plus d'énergie que le GPU et permet juste de faire du bruit. Alors, dans certains aéroports, comme là, c'est juste que. On va faire plus la PU qu'au démarrage, ça fait beaucoup de bruit. Sachant, mais. On pourrait peut-être faire beaucoup de carburant, même si l'aéroport n'est pas très loin. Tower, MD-82, Alpha. MD-82, 2, Alpha, fly heading 0, 7, 0, runway 7, you're clear for takeoff. Quoi, je pense qu'on va faire un vol, ça fait 40 minutes, hein. Runway 7, MD-82, 2, Alpha. Je vais préparer un générateur. Déjà, désactive l'air conventionné, ça désactive l'air pour les passagers. J'active l'éventuelle Hive, la leasing et j'active le Blade. Bon, aussi, les poteaux, faut savoir que les passagers les respirent. C'est juste que l'air conventionnel, alors que l'air conventionné utilisé en altitude après le décollage. Le désactive, c'est bon. Activer les parking brakes. Ah, on a commencé à push back. Je vais sortir ça rapidement. Ah, ça commence à sortir. Comment on va? Ah non, mais pourquoi ça descend? Peut-être que j'ai mal fait un truc. Par contre. MD-82, 2, Alpha, Alpha, contact center on, 1, 3, 5.9, 5, contact center on, 1, 3, 5.9, 5, MD-82, 2, Alpha, Alpha. Ça ne démarre pas. Vous voyez, on a des aiguilles là. Ça aura un petit peu de l'air conventionnel, mais non, ça baisse. Et je redésactive. Non. Pourquoi de toute façon ça ne sert à rien. En partie, oui, vite fait, mais ça en fout. Aussi, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et aussi, n'oubliez pas la cloche de notification. Peut-être avec ça. Ah, ça fonctionne! Ah oui! Okay. Ah, j'ai compris de comment ça fonctionne. C'est un bug ou comment ça se passe? Ok, ah, si tu peux faire ça, je le fais. Bon, alors on se met à l'épreuve.
Oui, c'est bon, on atteint les 20. Hop. Maintenant, je switch vers le Inger 1. On continue et une heure 1. Ah oui, ça fait comme tout à l'heure. Ah, ça démarre. Ah, ça cesse. C'était bizarre. Ça. Ah, oh, ça s'est mis à 10. Donc, bon, je vais mettre les gaz. Operation complete. Set parking brake. Et je réactive ça. Oh, je mets le Inger 1 en continu. Disconnecting tow. Stand by. Je réactive les parking brakes. Allez, oui. Allez, d'accord. Je vais le mettre. Disconnected and bypass beam has been removed and signal on the right. We'll see you next time and have a safe flight. Et moi pendant ce temps là je pense plus tout simplement on va déjà partir. En vrai c'est grave bien fait les zones X-Plane, ça les avantages X-Plane. Bon, bref, du coup, je reviens au mouton. Disait que moi je prends l'avion et je vais le faire décoller. Et pendant ce temps-là, on se retrouve tout à l'heure sur. Et okay, the cabin is secured. Have a good flight.
Approaching 7. On runway 7. November 462 Alpha November contact center on 135.95. Contact center on 135.95 November 462 Alpha November.
1,000. Tank rate. Tank rate. Tank rate. Tank rate. Taxiway. Tank rate. Tank rate. 100. Tank rate. Caution. Taxiway. Caution. Taxiway. 50. 40. 30. 20. 10. Thank you.
Hey, Mario!